française de Glasgow a été créée en 1982, donc pour promouvoir la langue et la culture française et la francophonie. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire de manière régulière depuis ce temps. Donc des cours de français pour les adultes, les enfants, les adolescents, des activités culturelles variées tout au long de l'année. Et puis pour continuer à promouvoir nos activités et la langue française, une médiathèque donc, qui offre aux apprenants d'autres ressources pour amplifier leur apprentissage et développer leurs connaissances, donc à travers des DVD, des livres, des magazines. Pour ce qui est du programme culturel, donc en général, on travaille en partenariat avec différentes institutions locales. Il y a beaucoup de festivals à Glasgow, qui touchent toutes les disciplines. Donc, on peut faire des choses autour du cinéma, de la musique, de la littérature. Donc, on a souvent des partenariats avec beaucoup de festivals qui se passent à l'université, par exemple. L'université de Glasgow a une vie culturelle et festivalière assez importante. Les films français sont évidemment bien accueillis au Royaume-Uni et en Écosse aussi. Pour ce qui est de la littérature, donc c'est soit faire venir des auteurs français, des auteurs qu'on peut étudier dans les classes, par exemple, dont on étudie les livres dans les classes. Donc voilà, toute une variété d'activités pour mettre en valeur justement la francophonie et la langue française. La vie culturelle à Glasgow est extrêmement intéressante. Donc probablement, peut-être vous savez, je ne sais pas, mais en tout cas, Glasgow est City of Music, donc la ville dont le label est donné par l'UNESCO. Donc au niveau musique, c'est assez important tout ce qui se passe ici. Donc ça va de concerts d'amateurs à évidemment des festivals plus importants comme Celtic Connections, par exemple. Donc c'est vrai que l'Alliance essaye toujours de proposer une manifestation dans le cadre de ces festivals. Donc je dirais probablement la musique est quand même la discipline la plus développée ici à Glasgow, en tout cas, peut-être pas en Écosse, mais pour Glasgow c'est très important. Donc l'activité musicale. Après, comme j'ai dit, il y a des festivals vraiment de toute l'année, vraiment de toutes sortes de formes. Qui prennent tout type de manifestations. Donc ça peut être autour de la science, ça peut être autour du film, comme j'ai dit. Donc je dirais que vraiment c'est une ville dont la réputation n'est pas à faire pour la vie culturelle. C'est vrai que c'est assez incroyable tout ce qui se passe ici, et probablement c'est reconnu aussi bien en Écosse qu'en Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment important.